Je m'appelle Laurence Hirtz, je suis agent immobilier, donc je suis créatrice de l'agence immobilière La Clé de Voûte qui est basée à Geispolsheim, avec une spécialité la transaction et à la valorisation immobilière, c'est-à-dire qu'avant de mettre les biens en vente, je les valorise. Voilà. Alors je suis à l'origine du groupe BNI Positif puisque j'ai assisté en 2015 au lancement du groupe BNI Elite à la Villa Schmitt à Kehl. J'ai découvert le concept BNI à ce moment-là, j'ai trouvé l'idée vraiment formidable, le fait de travailler en groupe avec des partenaires et en recommandation m'a beaucoup plu. Je me suis rapprochée à l'époque de Mathieu Beyer qui m'a dit que mon métier était représenté dans tous les groupes. Je ne pouvais pas adhérer à un groupe existant. Il m'a donc proposé de créer mon propre groupe et l'aventure BNI Positif a commencé comme cela. Nous avons lancé le groupe en avril 2016. Alors dans mon business, le fait de participer à un groupe, de faire partie de cette équipe de professionnels dans des métiers très variés me permet d'avoir des partenaires fiables, des gens qui peuvent répondre à toutes les problématiques que je peux rencontrer ou que mes clients peuvent rencontrer. Donc aujourd'hui, je suis vraiment une référence par rapport à mes clients grâce à mes co-membres et je peux répondre à toutes les questions de façon efficace. En termes de business, ça m'apporte énormément puisqu'aujourd'hui, je fais plus de la moitié de mon chiffre d'affaires grâce au BNI et ce qu'on appelle dans le jargon BNI à l'essaimage, c'est-à-dire qu'un client satisfait en envoie d'autres, qui en envoie d'autres, etc. Et sans le client de départ qui est arrivé par le biais du BNI, ben, je n'aurais pas tout ce suivi. Donc oui, beaucoup de business. J'ai commencé au lancement du groupe, donc j'étais présidente pendant un premier mandat qui était un peu tronqué puisqu'il n'y avait que 5 mois et ensuite un suivant, donc pratiquement un an de présidence, qui était un moment exceptionnel d'animation et vraiment très très intéressant. Ensuite j'ai été coordinatrice d'événements, j'ai été au comité d'accueil, maintenant je suis au comité des membres également. Voilà, donc des fonctions qui permettent de rentrer plus dans la méthode, de découvrir plus le fonctionnement du BNI et partager énormément avec les membres sur plus la méthode BNI qui est vraiment très efficace. La méthode BNI, c'est vraiment, c'est le partage, c'est le qui donne reçoit. C'est vraiment, pour moi, c'est ce qui importe le plus au sein du groupe BNI. C'est vraiment avoir envie de partager avec les autres, avoir envie de donner, avoir en tête en permanence les activités des co-membres et penser à eux à chaque moment où, la possibilité de les faire intervenir se présente. C'est la base de tout, c'est vraiment le qui donne reçoit. Je pense que cette phrase résume à elle toute seule la philosophie du BNI. La méthode, après, c'est être présent aux réunions, bien évidemment, pour apprendre à se connaître, mais ça, c'est juste une envie de partager et de se retrouver toute l'espace. Des anecdotes, on en a toutes les semaines. C'est vrai que, oui, on ne vit que d'anecdotes BNI. Alors, ce serait plutôt plutôt une expérience dans le sens où aujourd'hui j'arrive à faire travailler des fois jusqu'à 10-12 personnes sur un projet avec un de mes clients, à commencer donc comme je suis dans l'immobilier et que je fais de la vente, j'ai besoin d'énormément de monde, j'ai besoin du diagnostiqueur, j'ai besoin du courtier, j'ai besoin du notaire, des fois de l'avocat, j'ai besoin des artisans, etc. Donc ça c'est des belles anecdotes, c'est vraiment du travail d'équipe, sur un seul client on arrive à se mobiliser tous et travailler ensemble, oui ça c'est vraiment les choses les plus importantes et les plus agréables qui se passent dans le cadre du BNI. Ah oui, alors BNI Positif c'est the group, the place to be. Effectivement, alors je pense, franchement de comparatif ou de comparaison possible par rapport aux autres groupes que je ne connais pas forcément, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que indépendamment d'être un groupe de business, on est surtout un groupe extrêmement convivial,
beaucoup de gens visitent notre groupe et s'y arrêtent et y adhèrent parce qu'il y a une ambiance absolument incroyable. Je pense qu'on est tous aujourd'hui très très liés les uns aux autres. Aujourd'hui, on se plaît à dire que personne dans notre groupe ne pourrait se retrouver dans une situation compliquée ou délicate sans qu'il y ait une dizaine ou une vingtaine de personnes qui viennent donner un coup de main et y aider. On n'est plus seul du tout. Et vraiment, le jeudi matin, pour nous, c'est un moment de bonheur. C'est des retrouvailles à chaque fois, c'est du plaisir. Et ouais, Béni Positif, c'est vraiment le groupe dans lequel on est bien et duquel je ne partirai pas du tout, jamais. Béni Positif, c'est que du bonheur. Et du business, évidemment.